Durand qui se méfie de ce corner signé Fabio Celestini. Contrôle en deux temps pour Rafik Saifi qui se retourne. Il prend le meilleur sur Frédéric Mendy et l'international algérien qui redonne espoir. 10 minutes de jeu, Armand Cesari est déjà à 3 buts entre Bastiaise et Troyen. Et petit événement s'il en est, Rafik Saifi est le premier Troyen à trouver la faille en 26 ans de confrontation entre Bastiaise et Troyen. Rafik Saifi ce soir qui a d'autant plus de mérite que l'équipe troyenne est privée de Slaven Djukic suspendu. Alain Perrin a donc fait confiance à son international algérien. On reprend sur un nouveau coup de pied arrêté ici même avec David Ahmed et l'international suisse Fabio Celestini. Il est un petit peu prudent, Eric Durand il a raison, regardez Mehdi Meneri qui a vu Rafik Saifi à nouveau. Et quelques deux minutes plus tard, eh bien, Troyes revient à la hauteur des Bastiais. Premier doublé de la saison pour Rafik Saifi. Et quelle inspiration de Mehdi Meneri. Son erreur de début de match est totalement annihilée. Troisième but en une semaine pour Rafik Saifi. Deux buts partout, ce sera le score final. Et vous l'aurez compris, la belle affaire tombe ce soir dans l'escarcelle troyenne. L'Estac n'a concédé qu'une défaite au cours de ses 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues. L'Estac qui met un terme à 6 matchs, 6 défaites sur l'île de beauté. L'Europe n'a jamais été autant d'actualité pour les partenaires de David Ahmed et Rafik Saifi.